Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors pendant ces vacances, je vais vous raconter quelques contes. Voici Blanche-Neige numéro 2, c'est la suite. L'arrivée chez les sept nains. Voici les sept nains. Il y en a sept. Avec Blanche-Neige, qui s'endort ici. Dans un lit. Alors, Blanche-Neige de l'arrivée chez les sept nains. La pauvre Blanche-Neige. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Essayez d'écouter attentivement. La pauvre Blanche-Neige demeurait seule dans la forêt. Se met à courir, trébuchant sur les cailloux. Vers le soir, alors que ses petits pieds ne pouvaient plus la porter, il arriva auprès d'une jolie maisonnette et entra se reposer. Il y trouva une petite table dressée avec sept petites assiettes et sept petits couverts contre le mur. Il y avait sept petits lits aux draps bien tirés, blancs comme neige. Blanche-Neige, qui avait très faim et très soif, mangea un peu de la nourriture préparée dans chaque assiette et but un peu de vin dans chaque verre. Puis, comme elle était très fatiguée, elle se coucha et s'endormit. Le soir, les habitants de la maisonnette arrivèrent. C'était cinq nains qui cherchait dans la montagne de l'or et des diamants. Le premier nain avait une petite fille qui dormait couchée dans son lit. Il appela ses compagnons qui se précipitèrent, élevant leur lanterne pour mieux la voir. « Oh, la jolie petite fille !» s'écrièrent-ils. Bien sûr, ce conte d'après les frères Grimm. Voilà, je viens de vous raconter ce conte, Blanche-Neige, c'est l'arrivée chez les sept nains. Bien sûr, c'est la suite de la première, la naissance de Blanche-Neige. Voilà, Blanche-Neige, la naissance. Alors, j'espère que ce conte vous a plu. Alors, au revoir et à la prochaine.